Il ne revient pas encore. Vous m'avez éveillé. Je dormais aussi. Il ne revient pas encore. Chut. Je n'entends rien venir. Il est temps de rentrer à l'hospice. Il nous faudrait savoir où nous sommes. Il fait froid depuis son départ. Quelqu'un sait-il où nous sommes? Nous avons marché très longtemps. Nous devons être très loin de l'hospice. Ah, les femmes sont en face de nous. Nous sommes assises en face de vous. Attendez, je viens près de vous. Mais parlez, que j'entende où vous êtes. Ici, nous sommes assises ici. Il y a quelque chose entre nous. Ah! Il vaut mieux rester à sa place. Où êtes-vous assise? Voulez-vous venir près de nous? Nous n'osons pas nous lever. Pourquoi nous a-t-il séparés? Je t'en prie, du côté des femmes. Oui, ce sont les deux vieilles qui prient. Ce n'est pas le moment de prier. Vous priez tout à l'heure. Au dortoir. Je voudrais savoir à côté de qui je suis assis. Je crois que je suis à côté de vous. Nous ne pouvons pas nous toucher. Cependant, nous ne sommes pas loin l'un de l'autre. Je n'entends pas tout le monde. Nous étions cinq tout à l'heure. Je commence à me rendre compte. Interrogeons aussi les femmes. Il faut savoir à quoi s'en tenir. Les deux vieilles, est-ce qu'elles sont ensemble? Oui, sont à côté de moi. Je suis assise sur des feuilles mortes. Et la belle aveugle, où est-elle? Elle est près de moi. Où est la folle et son enfant? Ils dorment, ne l'éveillez pas. Oh, comme vous êtes loin de nous. Je vous croyais en face de moi. Nous savons à peu près tout ce qu'il faut savoir. Causons un peu en attendant le retour du prêtre. Il nous a dit de l'attendre en silence. Mais nous ne sommes pas dans une église. Vous ne savez pas où nous sommes? J'ai peur quand je ne parle pas. Mais savez-vous où est allé le prêtre? Il me semble qu'il nous abandonne trop longtemps. Il devient trop vieux. Il paraît que lui-même n'y voit plus depuis quelque temps. Il ne veut pas l'avouer de peur qu'un autre vienne prendre sa place parmi nous. Mais je soupçonne qu'il n'y voit presque plus. Il nous faudrait un autre guide. Il ne nous écoute plus et nous sommes trop nombreux. Il n'y a que les trois religieuses et lui qui voient dans la maison. Ils sont tous plus vieux que nous. Je suis sûre qu'il nous a égarés et qu'il cherche le chemin. Mais où est-il allé? Il n'a pas le droit de nous laisser ici. Il est allé très loin. Je crois qu'il a parlé sérieusement aux femmes. Il ne parle plus qu'aux femmes. Est-ce que nous n'existons plus? Il faudra bien s'en plaindre à la fin. À qui vous plaindrez-vous? Je ne sais pas. Nous verrons. Nous verrons. Mais où donc est-il allé? Je le demande aux femmes. Il était fatigué d'avoir marché si longtemps. Il s'est assis un moment au milieu de nous. Il est très faible et très triste depuis quelques jours. Il a peur depuis que le médecin est mort. Il est seul. Il ne parle presque plus. Je ne sais ce qui est arrivé. Il voulait absolument sortir aujourd'hui. Il disait qu'il voulait voir l'île une dernière fois sous le soleil avant l'hiver. Il paraît que l'hiver sera très long et très froid et que les glaces viennent déjà du nord. Il était très inquiet. Il disait que les grands orages de ces derniers jours ont gonflé le fleuve et que toutes les digues sont ébranlées. Il disait aussi que la mer l'effrayait. Il paraît qu'elle s'agite sans raison et que les falaises de l'île ne sont plus assez hautes. Il voulait voir, mais il ne nous a pas dit ce qu'il a vu. Et maintenant, je crois qu'il est allé chercher du pain et de l'eau pour la folle. Il a dit qu'il lui faudrait aller très loin. Il faut attendre. Il m'a pris les mains en partant. Et ses mains tremblaient comme s'il avait eu peur. Puis il m'a embrassée. Oh! Je lui ai demandé ce qui était arrivé. Il m'a dit qu'il ne savait pas. Il m'a dit que le règne des vieillards allait finir, peut-être. Que voulait-il dire en disant cela? Je n'ai pas compris. Il m'a dit qu'il allait du côté du grand phare. Y a-t-il un phare? Oui, au nord de l'île. Je crois que nous n'en sommes pas éloignés. Il disait qu'il voyait la clarté du fanal jusqu'ici, dans les feuilles. Il ne m'a jamais semblé plus triste qu'aujourd'hui. Et je crois qu'il pleurait depuis quelques jours. Je n'ai pas entendu s'en aller. Je n'ai plus interrogé. J'entendais qu'il fermait les yeux et qu'il voulait se taire. Nous
nous a rien dit de tout cela. Vous n'écoutez pas quand il parle, vous murmurez tous quand il parle. Il nous a dit simplement bonne nuit en s'en allant. Il faut qu'il soit bien tard. Il nous a dit 2 ou 3 fois bonne nuit en s'en allant, comme s'il allait dormir. Je l'entendais qu'il nous regardait en nous disant bonne nuit, bonne nuit. La voix change quand on regarde quelqu'un fixement. Ayez pitié de ceux qui ne voient pas. Mais qui est-ce qui parle assis sans raison? Mais taisez-vous! Ce n'est plus le moment de mendier! Où allait-il chercher du pain et de l'eau? Il est allé du côté de la mer. Il ne va pas ainsi vers la mer à son âge. Sommes-nous près de la mer? Oui, taisez-vous un instant. Vous l'entendez? De nous mener ici. Je n'aime pas entendre ce bruit. Vous savez bien que l'île n'est pas grande et que l'on entend dès que l'on sort de l'enclos de l'hospice. Je ne l'ai jamais écouté. Il me semble qu'il est tout autour de nous aujourd'hui. Je n'aime pas à l'entendre de près. Moi non plus. D'ailleurs, nous ne demandons pas à sortir de l'hospice. Nous ne sommes jamais venus jusqu'ici. C'était inutile de nous mener si loin. Il faisait beau aujourd'hui. Il a voulu nous faire jouir des derniers jours de soleil avant de nous enfermer tout l'hiver dans l'hospice. Mais j'ai mieux resté dans l'hospice. Il disait aussi qu'il nous fallait connaître un peu la petite île où nous sommes. Lui-même ne l'a jamais entièrement parcouru. Il y a une montagne où personne n'a monté, des vallées où l'on n'aime pas à descendre et des grottes où nul n'a pénétré jusqu'ici. Il disait enfin qu'il ne fallait pas toujours attendre le soleil sous les voûtes du dortoir. Il voulait aller jusqu'à la mer. Il y est allé seul. Il a raison, il faut songer à vivre. Mais il n'y a rien à voir en dehors! Sommes-nous au soleil maintenant? Je ne sais pas. Il me semble qu'il est très tard. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Est-ce qu'il fait clair encore? Voyons, où êtes-vous, vous qui voyez un peu? Voyons. Je crois qu'il fait très noir. Quand il fait du soleil, j'aperçois une ligne bleue sous mes paupières. J'en ai vu une il y a bien longtemps, mais à présent, je n'aperçois plus rien. Moi, je sais qu'il est tard quand j'ai faim, et j'ai faim. Mais regardez vers le ciel! Vous y verrez peut-être quelque chose! Comme si nous étions dans une grotte. Je crois plutôt qu'elle résonne ainsi parce que c'est le soir. Il me semble que je sens le clair de lune sur mes mains. Je crois qu'il y a des étoiles. Je les entends. Moi aussi. Je n'entends aucun bruit. Je n'entends que le bruit de nos souffles. Je n'ai jamais entendu les étoiles. Écoutez, écoutez. Qu'y a-t-il au-dessus de nous? Entendez-vous? Quelque chose a passé entre le ciel et nous. Je ne connais pas la nature de ce bruit. Je voudrais rentrer à l'hospice. Il faut savoir où nous sommes. J'ai ce doux me lever. Il n'y a que des épines autour de moi. Je n'ose plus étendre les mains. Il faudra savoir où nous sommes. Nous ne pouvons pas le savoir. Il faut que nous soyons très loin de la maison. Je ne comprends plus aucun bruit. Mais à l'avenir, nous ne sortirons plus avec lui. Nous ne pouvons pas sortir seuls. Nous sortirons plus.
J'aime mieux ne pas sortir. N'avions pas envie de sortir. Personne ne l'avait demandé. C'était jour de fête aujourd'hui. Nous sortons toujours aux grandes fêtes. Il est venu me frapper sur l'épaule ce matin, pendant que je dormais encore, en me disant « Levez-vous, levez-vous, il est temps, le soleil est très haut. » Mais était-ce vrai? Je ne m'en suis pas aperçu. Je n'ai jamais vu le soleil. Moi, j'ai vu le soleil lorsque j'étais très jeune. Moi aussi, il y a des années, lorsque j'étais enfant. Mais je ne m'en souviens presque plus. Pourquoi veut-il que nous sortions chaque fois que le soleil se montre? Qui est-ce qui s'en aperçoit? Je ne sais jamais si je me promène à midi ou à minuit. J'aime mieux sortir à midi. Je soupçonne alors de grandes clartés et mes yeux font de grands efforts pour s'ouvrir. Je préfère rester au réfectoire, près du bon feu de houille. Il y avait un grand feu ce matin. Il pouvait nous mener au soleil dans la cour. On est à l'abri des murailles. On ne peut pas sortir, il n'y a rien à craindre quand la porte est fermée. Je la ferme toujours. Ah! Pourquoi me touchez-vous le coude gauche? Je ne vous ai pas touché! Je ne peux pas vous atteindre! Et je vous dis que quelqu'un m'a touché le coude! Ah! Ah! Ce n'est pas de nous! Ah! Ah! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Dites-nous d'un coup de ça! Nous ne pouvons pas attendre éternellement! Est-il Paris? Je ne sais pas, mais je crois que nous sommes à l'ombre. Je ne m'y reconnais plus. Nous avons dormi trop longtemps. J'ai faim. Non, pas toi. Y a-t-il longtemps que nous sommes ici? Il me semble que je suis ici depuis des siècles. Je crois que je commence à savoir où nous sommes. Il faudra aller du côté au milieu et sonner. Attendez-vous! Nous ne sommes pas seuls ici! Il y a longtemps que je me doute de quelque chose! On nous écoute! Vous vous taisez toujours! Nous écoutons encore! J'entends des ailes autour de moi! Mon Dieu! Mon Dieu! Dites-nous d'un coup de ça! Comprendre où nous sommes. L'hospice est de l'autre côté du grand fleuve. Nous avons passé le vieux pont. On nous a menés au nord de l'île. Le grand fleuve est à côté de nous. Et peut-être l'entendrions-nous si nous écoutions un moment. Chut. Il nous faudra aller jusqu'au bord de l'eau. Il y passe jour et nuit de grands navires. Les matelots nous apercevront sur les rives. Il se peut que nous soyons dans la forêt qui entoure le phare, mais je n'en connais pas l'issue. Quelqu'un veut-il me suivre? Restons assis! Attendons, attendons! On ne connaît pas la direction du grand fleuve. Il a débarré tout autour de l'hospice. Attendons, attendons! Il reviendra! Il faut qu'il revienne! Quelqu'un sait-il par où nous sommes venus? Il nous l'a expliqué en marchant. Je n'y ai pas fait attention. Quelqu'un l'a-t-il écouté? Il faudra l'écouter à l'avenir! Quelqu'un de nous est-il né dans l'île? Vous savez bien que nous venons d'ailleurs! Nous venons de l'autre côté de la mer. J'ai cru mourir pendant la traversée. Moi aussi.
Nous sommes venus ensemble. Nous sommes toutes les trois de la même paroisse. On dit qu'on peut la voir d'ici par temps clair vers le nord. Elle n'a pas de clocher. Nous avons abordé par hasard. Je viens d'un autre côté. D'où venez-vous? Je n'ose plus y songer. Je ne m'en souviens presque plus quand j'en parle. Il y a trop longtemps. Il faisait plus froid qu'ici. Moi, je viens de très loin. D'où venez-vous donc? Je ne saurais le dire. Comment voulez-vous que je vous l'explique? C'est trop loin d'ici, c'est au-delà des mers. Je viens d'un grand pays. Je ne saurais le montrer que par des signes, mais nous n'y voyons plus. J'ai erré trop longtemps. Mais j'ai vu le soleil, et l'eau, et le feu, des montagnes, des visages et d'étranges fleurs. Il n'y en a pas de pareil dans cette île. Il y fait trop sombre et trop froid. Je n'en ai plus reconnu le parfum depuis que je n'y vois plus. J'ai vu mes parents et mes sœurs. J'étais trop jeune alors pour savoir où j'étais. J'ai joué encore au bord de la mer. Mais comme je me souviens d'avoir vu, un jour, je distinguais la neige du haut d'une montagne. Je commençais à distinguer ceux qui seront malheureux. Que voulez-vous dire? Je les distingue encore à leur voix. J'ai des souvenirs plus clairs quand je n'y pense pas. Moi, je n'ai pas de souvenirs. Pendant la prière, du côté des femmes, une voix que je ne connaissais pas. J'entendais à votre voix que vous étiez très jeune. J'aurais voulu vous voir à vous entendre. Je ne m'en suis pas aperçu. Il ne nous avertit jamais. On dit que vous êtes belle comme une femme qui vient de très loin. Je ne me suis jamais vue. Nous ne nous sommes jamais vus les uns les autres. Nous nous interrogeons. Nous nous répondons, nous vivons ensemble, nous sommes toujours ensemble. Mais nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous avons beau nous toucher des deux mains, mais les yeux on voit plus que les mains. Je vois parfois vos ombres quand vous êtes au soleil. Mais nous n'avons jamais vu la maison où nous vivons. Nous avons beau tâter les murs et les fenêtres. Nous ne savons pas où nous vivons. On dit que c'est un vieux château très froid et très misérable. On n'y voit jamais de lumière, si ce n'est dans la tour où se trouve la chambre du prêtre. Il ne faut pas de lumière à ceux qui ne voient pas. Quand je garde le troupeau aux environs de l'hospice, les brebis rentrent d'elles-mêmes en apercevant cette lumière le soir dans la tour. Elles ne m'ont jamais égaré. Et voilà des années et des années que nous sommes ensemble. Et nous ne sommes jamais aperçus. On dirait que nous sommes toujours seuls.
Il faut voir pour aimer. Je rêve parfois que je vois. Moi, je ne vois que quand je rêve. Je ne rêve d'ordinaire qu'à minuit. Je suis sûr qu'il y a encore autre chose. Elle pleure toujours lorsqu'elle va allaiter son enfant. Il n'y a qu'elle qui pleure ainsi. On dit qu'elle y va encore par ma... On n'entend pas pleurer les autres. Il faut voir pour pleurer. Je sens une odeur de fleurs autour de nous. Je ne sens que l'odeur de la terre. Il y a des fleurs. Il y a des fleurs autour de nous. Je sens que l'odeur de la terre. J'ai senti des fleurs dans le vent. Je sens que l'odeur de la terre. Je crois que les femmes ont raison. Alors, sont-elles ? J'irai les cueillir. À votre droite, levez-vous. J'entends que vous brisez les tiges vertes. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Je n'ose plus revenir sur mes pas. Ne songez pas aux fleurs, mais songez au retour. Il ne faut pas revenir. Attendez. Oh, comme la terre est froide, il va geler. De votre côté, je ne puis les atteindre. Je crois que je les cueille. Il semble que j'ai vu ces fleurs autrefois, mais je ne sais plus leur nom.
Mais comme elles sont malades et comme leur tige est molle, je crois que c'est la fleur des morts. J'entends le bruit de vos cheveux. Ce sont les fleurs. Nous ne vous verrons pas. Je ne me verrai pas non plus. Où êtes-vous?
parmi nous, vous dis-je. Vous êtes à côté d'un mort. Il faut que l'un de nous soit mort subitement. Mais parlez donc enfin que je sache ceux qui vivent. Répondez. Répondez tous ensemble. Je ne distingue plus vos voix, vous parlez tous de même. Il y en a deux qui n'ont pas répondu. Où sont-ils? Est-ce que c'est la folle? Non, elle est à côté de moi, je l'entends vivre. Je crois que c'est le prêtre. Il est debout. Venez. Venez. Mais venez. Il est debout. Il n'est pas mort alors? Où est-il? Il ne peut pas être mort. Allons voir. Peut-être. Encore. On va peut-être nous reconduire à l'hospice. C'est inutile. Je n'entends plus son cœur. Il est froid. Mort sans rien dire. Il aurait dû nous prévenir. Oh, comme il était vieux. C'est la première fois que je touche son visage. Il est plus grand que nous. Ses yeux sont grands ouverts. Il est mort les mains jointes. Il est mort ainsi, sans raison. Mon Dieu. Mon Dieu. Je ne savais pas tout cela. Il était malade depuis si longtemps. Il a dû souffrir aujourd'hui. Il ne se plaignait pas. Il ne se plaignait qu'en nous serrant les mains. On ne comprend pas toujours. On ne comprend jamais. Allons prier autour de lui. Mettez-vous à genoux. Je n'ose pas me mettre à genoux. On ne sait pas sur quoi l'on s'agenouille. Écoutez, malade, il ne nous l'a pas dit. Je l'ai entendu qu'il parlait à voix basse en s'en allant. Je crois qu'il parlait à notre jeune sœur. Qu'a-t-il dit? Elle ne veut pas répondre! Vous ne voulez plus nous répondre? Où donc êtes-vous? Parlez! Vous l'avez trop fait souffrir. Vous l'avez fait mourir! Vous ne vouliez plus avancer! Vous vouliez vous asseoir sur les pierres de la route pour manger! Et vous avez murmuré tout le jour! Je l'entendais soupirer! Il a perdu courage! Était-il malade? Le saviez-vous? Nous ne savons rien! Nous n'avons jamais vu! Et quand vous aurions-nous su quelque chose sous nos pauvres yeux morts? Vous ne se plaignez pas! Maintenant, c'est trop tard! J'en ai vu mourir trois, mais jamais ainsi! Et maintenant, c'est notre tour! Ce n'est pas moi qui ai fait souffrir! Je n'ai rien dit! Moi non plus! Nous l'avons suivi sans rien dire! Il est allé chercher de l'eau pour la folle! Qu'allons-nous faire? Ici, il ne veut pas s'éloigner du mort. Entraînez-le. Écartez-le, écartez-le. Il ne veut pas quitter le mort. Nous ne pouvons pas attendre à côté d'un mort. Nous ne pouvons.
Je crois que nous allons mourir ici. Quelqu'un viendra peut-être. Je pense que les religieuses sortiront de l'hospice. Elles ne sortent pas le soir. Elles sortent jamais. Je pense que les hommes du grand phare nous apercevront. Ils ne descendent jamais de leur tour. Ils nous verront peut-être. Et regarde toujours du côté de la mer. Il fait froid. Écoutez les feuilles mortes. Je crois qu'ils gèlent. Oh, comme la terre est dure. Chut. J'entends à ma gauche un bruit que je ne comprends pas. C'est la mer qui gémit contre les rochers. Je croyais que c'était les femmes. J'entends les glaçons se briser sous les vagues. Qui est-ce qui grelotte ainsi? Il nous fait tous trembler. Je ne peux plus ouvrir mes mains. J'entends encore un bruit que je ne comprends pas. Mais qui est-ce qui grelotte ainsi parmi nous? Je crois que c'est une femme. Je crois que c'est la femme qui grelotte le plus fort. On n'entend pas son enfant. J'ai pas pu tête encore. Il est le seul qui puisse voir où nous sommes. J'entends le vent du nord. Il n'y a plus d'étoiles. Je crois qu'il va neiger. Si un de nous s'endort, il faut qu'on le réveille. J'ai sommeil cependant. L'enfant pleure. Il voit quelque chose puisqu'il pleure. Je vais à sa rencontre. Prenez garde.